Là, je voulais juste te dire, parce que c'est évidemment la dernière, parce que j'avais promis trois. C'est une chanson qui est tirée de Télessa. En tout cas, ça s'appelle L'Embuscade, ça parle de Télessa. Et avec Laurent, on partage déjà le gros Robert, on va dire. On a un ami commun, on a l'âge, on a la perte d'un père. Voilà. Et cette chanson m'a particulièrement touché parce que mon père a dû faire la guerre d'Algérie un jour. Je suis resté comme un guetté quand ils se sont mis à tirer et que j'ai vu les premiers morts. Je suis que je lirai mon sort. À ce pays où le soleil lui sur d'innombrables merveilles qu'il aurait fallu découvrir sans qu'on y vienne pour le pire. À Télessa en 56, le pire était d'avoir 20 ans, quand on demeure de ses fils, une valise, c'est l'enfer blanc. De l'Algérie, du ville d'Orange, je garderai le souvenir du parfum doux du lilas blanc, dans l'impossible revenir. Avoir été ou n'être plus, que nous dit la voix qui s'est tue, quand l'idée même qu'elle survit marque la mémoire collective. Et si cet ennemi d'en face, qui semble maître de l'espace, tenu de ses terres la tour, que je tenais du gros caillou. Et si de la place Colbert jusqu'à la rue du cimetière, je refaisais dans mes pensées le baladeux du temps passé. Intéressant en 56, pas besoin d'avoir du courage pour comprendre le sacrifice et l'abandon du plus bel âge. Avoir 20 ans dans les Aurès ou bien dans le canton de Jeff, c'est toujours de sa vie qu'on laisse, c'est la jeunesse tuée dans l'œuf. Avoir été ou n'être plus, que nous dit la voix qui s'est tue, quand l'idée même que survit marque la mémoire collective. Avoir été ou n'être plus, que nous dit la voix qui s'est tue, quand l'idée même qu'elle survive marque la mémoire collective. J'ai beaucoup apprécié.